Bonjour les amis, j'espère que tu vas bien. Donc on va, je dis les amis, après j'ai dit tu, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, tout va bien. J'ai envie de prendre une carte chamanique pour ce lundi. Moi, je sais pas pourquoi je dis lundi, de toute façon si tu regardes cette vidéo mardi, samedi, vendredi, elle te parlera au moment où tu la regarderas. Alors je remercie les guides, les anges, les archanges et les êtres et les esprits de la nature et les êtres de lumière. Les esprits de la nature parce qu'on prend une carte chamanique et on prendra peut-être un message de la forêt d'ailleurs, et je peux choisir, qu'on me dit bon, je peux choisir, mais le jeu est écarté au moment où je veux, enfin voilà quoi. Donc alors hop, alors on a l'extraction d'âme, la récupération d'âme. Alors ça c'est, je vais vous lire d'abord le petit livret. Extraction d'âme, récupération d'âme. C'est extraction. Voilà. Vous êtes tellement submergé par des émotions et des flots de pensées que vous êtes en pleine confusion et que vous n'arrivez plus à vous maîtriser. Vous êtes fatigué de faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Cette carte indique que vous avez vécu un conflit à cause d'un manque d'estime de vous, de stress et de désarroi. Vous avez récemment eu l'impression d'avoir perdu un bout de vous-même et vous avez été plutôt démoralisé. Vous perdez des fragments de votre magnifique âme chaque fois que vous abandonnez votre pouvoir aux autres et que vous êtes verbalement ou physiquement attaqué. Souvenez-vous que les peurs et les croyances des autres ont joué un rôle important dans la définition de ce que vous n'êtes pas en réalité au fond de vous. Faites preuve de discernement pour pouvoir distinguer les pensées et les actes qui vous appartiennent de ceux qui ne vous appartiennent pas. Cette carte vous accompagne dans le monde du bas et dans celui du haut, lieu où se trouvent les fragments d'âme que vous avez perdus. Pour cela, vous devez absolument faire appel à vos animaux de pouvoir et à vos guides spirituels qui sont les seuls à pouvoir vous aider. En récupérant les bouts d'âme qui vous manquent et en vous reconnectant à eux, vous vous sentirez de nouveau unifié et complet. Laissez cette carte vous apporter l'harmonie dont vous avez tant besoin pour retrouver votre plein pouvoir personnel. J'ai fait 3 recouvrements d'âme, alors extraction d'âme, recouvrement d'âme, un peu pareil. Enfin, moi, j'ai fait 3 recouvrements d'âme. Ça m'a vraiment... Alors, pas les 3 en même temps. Hein. Un, puis un autre. Puis j'ai attendu quelques mois. Puis j'ai... Voilà. Pour soigner des blessures d'âme. Quand la psychanalyse n'y arrive pas, quand les soins énergétiques n'y arrivent pas, quand plein de choses n'y arrivent pas, vous pouvez aller voir un chaman ou une chamane qui va vous faire un soin individuel, extraction d'âme ou récupération d'âme. Moi, ça s'appelle recouvrement d'âme. Que j'ai fait, et c'était vraiment, quand je suis sortie de là, le premier que j'ai vécu, c'était quelque chose, je me suis sentie vraiment complète. C'est ce qui a été dit dans, on se retrouve, on récupère un bout d'âme qui s'était échappé. Donc c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment fort, un recouvrement d'âme, c'est vraiment puissant. Et on va prendre une petite carte de la forêt. Alors, cuicui les petits oiseaux. J'espère que tu vas bien, que tu vas passer un bon lundi férié. Ouais, si c'est un autre jour, c'est pas grave. Hein. Pour tous ceux qui regardent ces vidéos un autre jour, hop, on prend celle-là. Tu vois, ça suit la carte de chaman, de chamanique. Voyage. Quand on fait un soin chamanique, on part en voyage chamanique. Voyage, reliez-vous à de nouveaux mondes. Et là, on te parlait du milieu du monde du bas et du monde du haut. Et dans le monde chamanique, il y a trois mondes. Il y a le monde du bas qui n'a rien à voir avec le bas astral, tout ce qu'on peut entendre sur le bas astral, d'accord? C'est le monde du bas, le monde du milieu, qui est plus. Le monde du bas, en fait, on peut aller voir les animaux totems, on peut avoir accès à des informations. Le monde du milieu, c'est le monde d'ici, le même que nous, mais plus. Et le monde du haut, on peut avoir accès à nos guides spirituels, à nos anges gardiens, aux défunts.
Donc voilà, c'est excellent. Donc on a le voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Alors pour se relier à de nouveaux mondes, vous pouvez utiliser la méditation. Fermez les yeux, inspirez, expirez, mettre de la musique douce, un peu dansant, et puis vous partez en voyage. Vous pouvez faire ça tout seul, c'est possible. En attendant, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je t'embrasse et tu peux mettre des pouces, tu peux commenter, et je te dis à très vite.